croire, mais j'ai une petite copine qui me fait faire des folies. Elle m'a dit qu'elle se verrait bien dans quelque chose de lourd et de flottant. Alors je l'ai balancé dans le Mississippi. Ah bon? Vous voulez que je vous parle d'Hemingway et de la manie qu'il avait de l'ouvrir sans arrêt? Hein? Ah bon. Y'a quelqu'un? On se réveille? Je sais que vous êtes là, je vous entends claquer des genoux. Qu'est-ce que je passe là? Je sais ce que vous voulez, public adoré. Un petit jeu de mots. Peut-être quelques gags qui donnent la chair de poule. À moins que vous préfériez une petite histoire bien mijotée, un petit conte de fées sur le mariage, ou si vous préférez sur la femme et la mort. J'ai appelé ça deux pour le prix d'une. Alors, je me suis levé et je lui ai dit « Eh, je commence à en avoir marre de promouvoir des produits dont tout le monde se fout. » Non, c'est vrai. Franchement, pourquoi claquer autant de fric alors que ça ne nous coûterait rien d'aller directement sur certains marchés qui n'ont jamais eu nos produits entre les mains? Je sais pas, moi, ça me paraît évident. Mais non, y a rien à faire. Ils veulent continuer à engraisser les intermédiaires. En plus, l'autre, là, le pseudo-directeur du marketing, je suis sûr que dans 2 mois, il va récupérer mon idée. Et on va l'applaudir. Tout ça parce qu'il a fait partie d'une commission il y a 2 ans. Je me suis pas dégonflé. Je lui ai dit, écoute-moi bien, tête de nez. Tu veux la guerre? Tu vas la voir. Et s'il le faut, on ira devant le comité directeur. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, je m'en fous. Alors moi, je lui ai dit, très bien, mais je te préviens. Un jour, je serai le vice-président de cette boîte. Et ce jour-là, je t'écraserai comme on écrase un insecte. Super bonne cette viande. J'aurais voulu que tu vois la tête qu'il faisait. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, il y a un petit cocktail au bureau dimanche après-midi. Je sais que ça ne t'emballe pas, mais cette fois, c'est très important. Il faut que je te dise quelque chose, Andy. Ce qu'il faudrait, c'est que tu essaies d'être un petit peu plus ouverte. Attention, je te demande pas d'aimer ou de ne pas aimer les autres, pas du tout, mais... Je vais te quitter, Andy. Je sais ce qu'on va faire. On va faire une liste de choses dont il faudrait que tu parles avec... Quoi? J'ai dit que j'allais te quitter. Je veux divorcer. J'ai pas compris, là. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton boulot. Moi, je veux en profiter. J'ai envie qu'on me fasse jouir sur une plage en plein soleil. J'ai envie de profiter de la vie pendant qu'il en est temps et avant que je sois trop vieille. D'accord, très bien, je comprends. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Que t'as pas assez d'argent tous les mois, je vais t'augmenter. Je veux pas de pognon, Andy. Je veux m'en aller. Et puisque tu veux tout savoir, j'ai eu une aventure. Aventure? Je suis amoureuse et tu ne peux pas savoir ce que ça me fait du bien. Je vais refaire ma vie avec quelqu'un et tu ne m'en empêcheras pas. Qui est-ce? Ce n'est pas quelqu'un que tu connais. Dis-moi comment il s'appelle. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? L'écraser comme un insecte? Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Ou alors, c'est que je me suis trompée. De toute façon, rien que de penser que je pourrais finir ma vie avec toi, ça me rend malade. Si quelqu'un veut me joindre, je serai à Chicago. D'accord. Cette fois, c'est sérieux, je m'en rends compte. Mais on peut quand même en parler sans s'énerver. Je n'ai pas envie de négocier avec toi, Andy, parce que je ne veux rien du tout. Je veux seulement vivre. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Tu vas me quitter comme ça? Mais toi, ça fait des années que tu me négliges et que tu m'ignores. Quand est-ce qu'on a fait l'amour pour la dernière fois? Est-ce que tu t'en souviens, au moins? Non, mais tu peux pas me faire ça, Emma, mais je vais passer pour un bouffon aux yeux des autres. Il n'y a donc que ton image qui compte, hein? Alors je vais te rassurer, mon petit Andy. Tu passes déjà pour un bouffon, parce que tu es un bouffon. Et là, c'est toujours un bouffon, hein? Tiens, je vais te faire jouir, moi. Hein? T'en veux encore, hein? Tu vas me payer. Police, écoute. Ouais, bien sûr. Vous êtes sûr que c'est une femme? T'as raison. T'as complètement raison. Tu sais quoi?
Tu peux faire ce que tu veux, je m'en fiche complètement. Que j'aille me faire voir, mais c'est toi qui vas aller te faire voir. Merci, voiture pleine. Oui. Mais vous êtes sûr que c'était une femme? Deux ambulances pour le secteur 32. Ah. La résidence Woodplain, c'est ça? Quel bâtiment? Le signalement va diffuser. Monsieur et Madame Conway. Bien, on vous envoie quelqu'un. C'est pas vrai. C'est pas encore ce soir que je terminerai mon rapport. Au fait, tu pourrais pas être plus discret quand tu disputes avec ta femme? Oui, je sais, excuse-moi. C'était quoi cet appel? Ah, une bonne femme. Elle a entendu ses voisins se disputer, un cri, et puis plus rien. T'as dit qu'il s'appelait Conway? Oui. Résidence Woodglen, numéro 402. Bravo, t'as gagné. Tu les connais? Bien reçu, voiture 16, passez à la consigne. Je crois pas, non. Qu'est-ce que tu fais? J'y vais. Je veux voir quelle tête il a, notre client. Mais t'es fou, quoi! Tu as fini il y a plus de 2 heures et tu dois partir en vacances demain avec ta femme. J'ai dit que je partais pêcher. Je n'ai jamais dit que je partais avec ma femme. Police, ouvrez, s'il vous plaît. Oui, oui, j'arrive dans 2 minutes. Je suis le sergent Fine. On a entendu des cris chez vous, une voisine nous a appelés. Ça vous gêne si je jette un œil? Non, non, pas du tout. Des cris? C'est bizarre. Votre femme est là? Non, elle est partie. Enfin, je veux dire, elle est partie pour de bon. On s'est disputé. Ça doit être ça que ma voisine... Vous avez dit que c'était qui, déjà? Je n'ai rien dit. Est-ce qu'elle est allée chez des amis, quelque part où on peut la joindre? Elle m'a dit qu'elle allait à Chicago. Chicago? Oui, elle a de la famille là-bas. Écoutez, si vous êtes marié, vous devez savoir comment c'est. On s'est disputé, on a élevé la voix, elle a fait ses bagages et elle est partie. C'est quoi ce sang-là? Ah, je me suis coupé en me rasant. Ça vous gêne que je regarde? Non, pas du tout. Je vous l'ai dit, je me coupe souvent en me rasant. Je consomme pas mal de serviettes. Ouais. Collège de Marysville. Vous y avez fait vos études? Non, pas du tout. Et votre femme? Non, elle non plus. On a déménagé de Chicago, on est arrivé il y a à peu près 5 ans. Merci. C'est pas mal, un bain bouillonnant. Ah, c'est formidable. Vous pouvez pas savoir à quel point ça peut détendre... Surtout après une dure journée de travail. Quand votre femme sera à Chicago, j'aimerais bien qu'elle nous téléphone. D'accord, je lui dirai. Dès qu'elle m'aura appelé. Bien, je crois que j'ai tout vu. Quand les autres viendront vous voir? Les autres? Quels autres? L'autre équipe, c'est la procédure habituelle. Dites-leur que je suis venu. À mon avis, ils passeront votre appartement au peigne fin. Remarquez, on est payé pour ça. Enchanté de vous connaître.
fais pas la tête. Tu vas y aller à Chicago. Monsieur Clark est attendu à la réception des bagages. Monsieur Clark est attendu à la réception des bagages. Et voilà, monsieur. Oui, oui, je voudrais l'enregistrer pour Chicago. Vous remplissez ce formulaire. Le train 311 en provenance de New York arrivera à quai numéro 6. Le train 311 en provenance de New York arrivera à quai numéro 6. C'est bon ? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Il vous suffira de présenter le talon à votre arrivée. Bon voyage. Merci, monsieur. Au revoir. Monsieur Conway ? Sergent Fine, c'est moi qui suis passé à votre domicile tout à l'heure. Ah oui, je vous avais pas reconnu. C'est pas grave. Moi aussi, j'ai du mal à me reconnaître en civil. Vous partez en voyage ? Oui, Eh, monsieur, vous m'avez donné un bagage accompagné pour Chicago, mais vous avez oublié de mettre vos noms et adresses. Et une fois qu'un bagage est perdu, il est perdu pour de bon. On n'a aucun moyen de vous retrouver. Je vous laisse faire. Les voyageurs à destination de Chicago sont invités à se présenter au train de leur titre de transport. Voyageurs à destination de Chicago. Vous n'allez peut-être pas le croire, mais juste après votre départ, ma femme a appelé. Elle était déjà à Chicago et on s'est réconciliés. C'est elle qui m'a demandé de la rejoindre. Oh, c'est une seconde lune de miel. Si on veut. Tout va bien, alors. Je vous conseille de monter, monsieur. Votre train va partir dans moins de 5 minutes. C'est vrai, il a raison. Bien. J'ai un peu de temps. Je vais avec vous jusqu'au train. Dépêche-toi, ma femme, le train va partir. Mes amitiés à Chicago. Tu ne manquerais pas. Excusez-moi, j'ai laissé tomber ma veste. Pardon. Ah, abruti. Enfin, cette fois, je crois que je suis tranquille. On devrait arriver à Chicago à 6 heures du matin. Si tout va bien. C'est sympa de se retrouver là. Vous allez à Chicago ? Oui, je suis sur une enquête. Mais je ne peux pas trop en parler. Moi, j'aime bien les choses qui finissent bien. Et dans le métier que je fais, ça finit pas toujours bien. Vous ne connaissez pas ça, vous. Au fait, pourquoi vous et votre femme vous êtes-vous disputés ? Oh, elle disait que je faisais pas assez attention à elle. Tiens, ça c'est marrant. Ma femme me reproche le contraire. Elle dit que je fais trop attention à elle. Vous comprenez ? Oui, 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 mais si vous avez le temps d'être avec elle, c'est bien. Il faut prendre le temps. La question, c'est qu'est-ce qu'un homme doit faire quand sa femme ne s'intéresse plus à lui ? Je sais pas. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Je vous pose la question. Je ne sais pas, moi. C'est peut-être le mariage, le problème. Peut-être qu'on n'est pas fait pour vivre trop longtemps ensemble. Prenez-moi, par exemple. Je connais ma femme depuis le collège. Je peux vous poser une question personnelle. Mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre. C'est vrai, après tout, vous n'êtes pas sous serpent. Allez-y. Supposons que vous vouliez tuer votre femme. Comment feriez-vous ? Je suis pas un assassin. Oh, ne me dites pas que vous n'avez jamais songé à tuer votre femme. On y a tous pensé. Eh, il n'y a pas de honte à ça. Ça ne fait rien. Moi, je vais vous dire comment vous feriez pour la tuer. Arrêtez. Les armes à feu ? Non, c'est pas votre truc. L'arme blanche non plus. Et puis, ce n'est pas une bonne idée. C'est la vie du flic que je vous donne. C'est le moyen le plus sûr pour qu'il y ait du sang plein la pièce. Et croyez-en mon expérience, c'est une vraie galère pour nettoyer après. Écoutez, moi j'aime ma femme. J'ai trouvé. Je pense que vous étrangleriez votre femme. Et à main nue, de préférence. Ah !
dans un moment de rage. Je brûle, non ? Je n'ai presque rien mangé aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien m'excuser. Je garde votre place bien au chaud. Ça a l'air bon, dites donc, surtout pour du surgelé. Vous savez, c'est marrant. Mais quand je vous ai vu partir manger, ça m'a donné faim. Et c'est bizarre parce que d'habitude, je suis malade en voyage. C'est vrai, je vomis tout ce que j'avale. Ça sent vraiment bon. Ça vous gêne si je goûte un petit peu? C'est délicieux. Je crois que je vais prendre ça. À moins que vous n'en vouliez plus. Bien, merci. Je ne sais pas pourquoi je suis aussi bavard. C'est bizarre, mais... j'ai l'impression qu'on a des choses en commun. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tout pâle. Vous en avez mangé beaucoup? Ça va très bien. Vous voyez le type derrière? Lui. Est-ce qu'il a l'air de quelqu'un qui a commandé pour 5 millions de drogues? De la drogue? Chut. En fait, les avions, c'est pas sûr pour eux. Il y a des détecteurs de métaux. Résultat aujourd'hui, il voyage par le rail. Cet homme, ce train, c'est ça mon enquête. C'est vrai? C'est là-dessus que vous travaillez? C'est fou, hein? Croyez-moi, il ne doute de rien, ces types-là. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, mais je sais pas, mais... Transporter de la drogue dans un train, ça me paraît complètement stupide. Remarquez, il fallait y penser, hein? Ça fait longtemps que vous bossez là-dessus? Oui, longtemps. Très longtemps. Mais là, c'est le grand jour. Ah bah ouais? Ce que ce type ne sait pas, c'est qu'il y a une flopée d'agents du FBI qui vont le cueillir à Peoria. À Peoria? C'est bientôt, ça. Et ils vont fouiller le train centimètre par centimètre. Avant l'arrivée à Chicago. Tous les wagons, tous les sièges, tous les filets et tous les bagages. Il nous a fallu des semaines pour obtenir les mandats. Tous les bagages? Oui, tous. L'opération commence dans 22 minutes. C'est vrai que je suis un peu barbouillé, ça doit être la sauce. J'ai besoin de prendre l'air. Excusez-moi. C'est bien ce que je pensais. C'était la sauce. Peoria, pile à l'heure. Peoria. Je peux vous dire quelque chose? Vous avez fait une erreur monumentale avec la bague. Quelle bague? La bague du collège. Pour les gens des grandes villes, c'est peut-être sans importance, mais par ici, ça représente quelque chose. Collège de Marysville, promotion 77. C'est avec fierté que je la porte.
Et lorsque je la donne à quelqu'un, c'est pas pour rien. Je crois que quelqu'un a donné cette bague à votre femme, et je ne pense pas qu'elle serait partie sans elle. C'est vous qui avez eu une aventure avec ma femme. On trouvera quoi quand on ouvrira votre mal ? On ne trouvera rien du tout. Ça m'étonnerait. Ça vous étonnerait ? Vous voulez voir ce qu'il y a dans ma malle ? Très bien, je vais vous montrer. Je vous suis. Ils sont du FBI, ces deux-là ? J'ai menti. C'est sur vous que je mène une enquête. Alors, j'ai l'impression que vous allez être déçu. Oh, ça, c'est ce qu'on va voir. C'est bien votre malle, celle-là ? Oui, c'est ma malle. Et c'est l'étiquette que j'ai remplie moi-même. Il était avec moi. Tiens, je sais pas ce que j'ai fait de la clé. Ouvrez-la. Tout de suite, sergent. Merci beaucoup. Alors, Durm, c'est pas vrai? Moi, je vois un cadavre coupé en morceaux dans cette malle. Cette fois, ça me paraît évident. Ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas ma malle. Je l'ai pas lancée dehors tout à l'heure. Tu mens, espèce d'ordure. Je suis resté tout le temps avec toi. Je ne t'ai pas quitté des yeux. Il ment. Dites-leur que vous avez eu une aventure avec ma femme. La preuve, c'est la bague que vous lui aviez donnée. Cette bague qui était par terre est une bague de femme. C'était celle de ma femme. Ma femme l'a donnée à la tienne quand elles ont commencé à se voir. Quoi ? C'est ma femme qui est dans ta malle. Et c'est toi qui l'as tuée. Je vais te dire pourquoi. Quand tu as vu que ta femme te quittait pour une autre femme, tu es devenu fou. Tu as préparé ta vengeance. Tu es allé chez moi et tu l'as massacré. Non, c'est archi faux. Tu vas me dire que tu n'as tué personne, peut-être. Non, je veux dire si, j'ai tué ma femme. Alors où est-elle passée ? Elle était dans la malle que j'ai balancée du train. Tu les as tuées toutes les deux, alors ? Non, non, j'ai... Tu mens, espèce d'enfoiré. T'as intérêt à avoir une défense en béton. Des dingues comme toi, les jurés envoient tous les jours. Après ce que tu as fait, t'es bon pour la chaise. Maintenant, dégage de là avant que je te... Non, non. Il ment! Il ment, c'est un coup monté! Il m'a piégé! Il m'a piégé, je vous dis! Il y a vraiment des dingues dans ce pays. Vous croyez qu'il les a tuées toutes les deux? Non. Sa femme est partie. Elle a pris un avion pour Cancun en début de matinée. Je ne sais pas ce qui est le pire. Découvrir que votre femme vous trompait ou découvrir que quelqu'un l'a tuée. Moi, je vais vous dire, ça se vaut. Il y a un express qui repart. Il devrait être à quai dans une demi-heure. On vous prend un billet? Non, 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 non. Je vais louer une voiture. Je dois me vider un peu l'esprit. Que la vie peut être cruelle. Tu sais, Emma, je trouve que tu as bonne mine pour quelqu'un qui a été découpé et balancé d'un train. Il me plaît beaucoup, ce petit barbet. Il met sur pied un petit plan. Mais c'est Andy qui va porter le chapeau. Décidément, c'est vrai ce qu'on dit. Plutôt crever que de se marier. Et maintenant, la chute de l'histoire. Ça, c'est ce que j'appelle une chute explosive. Gardez-moi les restes, merci.